On a tous pensé à la mort pendant presque 2 ans. Je pense que maintenant, on va pouvoir parler de renaissance. Renaissance à soi, renaissance de la nature, renaissance de ce monde. On nous a bien fait comprendre qu'on était mortel. Ça, c'est bon, c'est fait. Maintenant, on va essayer de faire renaître de ses cendres, comme un phénix. Et pour ça, de quoi on a besoin? De niaque, d'envie, d'amour, hein. Savoir dire non aussi. Mais là, une fois qu'on a dit non, on va pouvoir se dire oui. On pourra se dire oui dans la vie, on pourra se dire oui au jardin, on pourra se dire oui à la cuisine. Et on va pouvoir enfin renaître à soi. Je pense maintenant il est temps. Il est temps qu'on renaisse à nous-mêmes et qu'on se fasse plaisir. Avec toutes les épreuves qu'on a passées, maintenant on a les clés. On les a, mais larges. Alors il est temps de passer à l'action. En invité central, on a juste invité Louis Fouché. Juste ça. Quelqu'un qui est resté droit, qui a toujours été pragmatique. Le magazine fait peau neuve. On vous encourage à renaître à vous-même, à nous accompagner à faire renaître ce monde comme on a envie de le voir. On va encore rester en 0% de pub, 100% de contenu, non subventionné, donc totalement libre. On tient à le rester et pour ça, on a besoin de vous.